non, t'inquiète, on l'a bien modernisé, on a changé les costumes, la musique, tout le monde va bien s'amuser. Vous pouvez nous prendre en photo. Je sais, on est trop belle. Mais par contre, photo sans flash. Bon spectacle. Après tout. Pour vous, monsieur son frère, je vous estime fort, vous aime et vous révèle. Mais si j'étais de mon fils et son époux, je vous prierais bien fort de n'entrer point chez nous, sans cesse vous prêcher des maximes de vivre qui, par d'honnêtes gens, ne se doivent point suivre. Je vous parle un peu franc, mais c'est là mon humeur, et je ne lâche point ce que j'ai sur le cœur. Votre monsieur Tartuffe est bien heureux, sans doute. C'est un homme de bien qu'il faut que l'on écoute, et je ne puis souffrir sans me mettre au courroux de le voir curer mes parents fous comme vous. Quoi ? Moi, je souffrirais qu'un cagot de critique vienne usurper séant un pouvoir tyrannique. Et que nous ne puissions en rien nous divertir si ce beau monsieur-là a l'idée de consentir. Oui, mais surtout, oui, mais pourquoi faudrait-il l'écouter? Oui, mais... S'il faut l'écouter et croire à ses maximes, qu'on ne peut rien faire, S'il faut l'écouter et croire à ses maximes, on ne peut rien faire. Car il contrôle tout, ce critique zélé. Et tout ce qu'il contrôle est fort bien contrôlé. C'est au chemin du ciel qu'il prétend vous conduire. Et mon fils, à l'aimer, vous devrez tous enduire. Non, voyez-vous ma mère, il n'est permis rien qu'il puisse m'obliger à lui vouloir du bien. Certes, c'est une chose qui scandalise de voir qu'un inconnu s'est en sa patronise. Il part pour un sang dans votre fantaisie. Mais croyez-moi, tout ce nerf n'est que pure hypocrisie. Vous ne lui voulez mal et ne le rebutez qu'à cause qu'il vous dit à tous vos vérités. Oui, mais pourquoi, surtout depuis un certain temps, ne saurait-il souffrir qu'aucun ancien? Veut-on que là-dessus je m'exprime entre nous? De madame, ma foi, il est jaloux. Taisez-vous et songez aux choses que vous dites. Ce n'est pas lui tout seul qui blâme cette visite. Je veux bien croire qu'au fond il ne se passe rien, mais enfin on en parle et cela n'est pas bien. Eh, voulez-vous, madame, empêcher qu'on ne cause? Ce serait dans la vie une fâcheuse chose. Contre la médisance, il n'est point de rempart à tous ces socaqués, n'ayons donc plus l'égard. Je vous dis que mon fils n'a rien fait de plus sage qu'en recueillant chez soi ce dévot personnage. Que pour votre salut, vous le devez entendre, et qu'il ne reprend rien, qu'il ne soit à reprendre. Allez chercher vos fous qui vous donnent à rire, et sans, adieu ma bruche, je ne veux plus rien dire. Allons vous, vous rêvez et vaillez aux corneilles, jour de Dieu, je saurai vous frotter les oreilles. Marchons, go, marchons. Ah, que cette bonne femme. Ah, certes, dommage qu'elle ne vous ouïe tenir un tel langage. Comme elle sait contre nous pour y échauffer, et que de son Tartuffe qu'elle paraît coiffée. Oh, vraiment, tout cela n'est rien, me prie du fils. Si vous l'aviez vu, vous diriez c'est bien pied. Si vous... Oh, il est devenu comme un homme hébété depuis que de Tartuffe on le voit entêté. Il le choix, l'embrasse, et pour une maîtresse, on ne saurait, je pense, avoir plus de tendresse. Le bon morceau de tout, il fait que l'on lui cède. S'il vient d'un rôté, il dit que Dieu vous aide. Ses moindres actions sont pour lui des miracles. Et tous les mots qu'il dit sont pour lui des oracles. Lui qui connaît sa dupe et qui veut en jouir par son dehors fardé, à l'art de l'ébourrer, de l'éblouir. Son cagotisme en tirant toute terre des sommes et pendant de gloser sur tous tant que nous sommes. Vous êtes bien heureux qu'il n'ait point venu au discours qu'à la porte elle nous a donné. Mais j'ai vu mon mari et comme il m'a promis, je vais aller là-haut attendre sa mère. Moi, je l'attends ici pour moins d'amusement et je vais lui donner le bonjour seulement. Ah,
deux numènes de ma sœur touchez lui quelque chose. Je crois que Tartuffe à son effet s'oppose. Qu'il oblige mon père à des détours si grands, et vous n'ignorez pas quel intérêt j'y prends. Si mes mardeurs enflamment, et ma sœur et Valère, la sœur de cet ami, vous le savez, mes chers. Et s'il fallait, il entre. Ah, mon frère, bonjour. Vous sortez, et j'ai joie à vous voir de retour. La campagne, à présent, n'a pas beaucoup fleuri. Dorine, mon beau-frère, attendez, je vous prie. Vous voulez bien souffrir pour m'ôter de séance, pour m'ôter de soucis? Que je m'informe un peu des nouvelles ici, pour perdre moins de temps, pour perdre moins de temps. Tout sait-il ces deux jours passés de bonnes sortes? Qu'est-ce qu'on fait séance, comme est-ce qu'on supporte? Madame eut avant-hier la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête étrange à concevoir. Et Tartuffe? Tartuffe? Il se porte à merveille, gros grain à la bouche vermeille. Oh, le pauvre homme! Le soir, elle eut un grand dégoût, et au souper, ne put toucher à rien du tout, tant sa douleur était encore cruelle. Et Tartuffe? Il soupa à lui, tout seul, devant elle. Oh, le pauvre homme! Par une raison gagnée, elle s'est résolue à souffrir la saignée, et le soulagement suivit tout aussitôt. Et Tartuffe? Il reprit courage comme il faut, et contre tous les maux fortifiants son dame, et pour réparer le son qu'avait perdu madame, lui à son déjeuner 4 grands coups de vin. Oh, le pauvre homme. Enfin, tous deux se portent bien, et je vais porter à madame par avance la part que vous prenez à sa convalescence. Et ce petit, qu'un homme est un charme aujourd'hui à vous faire oublier toute chose pour lui, qu'après avoir chez vous réparé la misère, vous en veniez au point. Halte-là, mon beau-frère, vous ne connaissez pas celui dont vous parlez. Je ne le connais pas, puisque vous voulez, mais enfin, pour savoir quel homme ce peut être. Ah, mon frère, vous seriez charmé de le connaître. Et vos ravissements ne prendraient point de fin. C'est un homme qui... Ah, un homme, enfin. De toute amitié, il détache mon âme. Et je vais mourir. Mère, femme et enfant, que je m'associerai autant que de cela. Et sentiments humains, mon frère, que voilà. Ah, si vous aviez vu comme j'en fis rencontre. Vous auriez, pour lui... L'amitié que je montre. Parbleu, vous êtes fou, mon frère, que je crois. Avec de tels discours, vous moquez-vous de moi? Et que prétendez-vous de tout ce badinage? Mon frère, ce discours sans le libertinage, vous attirerez quelques méchantes affaires. Ah, voilà de vos pareils le discours ordinaire, qui veulent que chacun soit aveugle comme eux. C'est qu'être libertin que d'avoir de bons yeux. Et quoi? Vous ne ferez une distinction entre l'hypocrisie et la dévotion? Que cela vous soit dit en passant, mon beau frère. Oui, vous êtes sans doute un docteur pour Hébert, un oracle, un caton dans le siècle où nous sommes. Et près de vous, ce sont des sots que tous les hommes. Je ne suis point, mon frère, un docteur révéré. Et le savoir chez moi n'est pas tout à fait retiré. Mais en un mot, je sais, pour toute ma science, du faux avec le vrai, faire la différence. Aucune chose de ce monde est plus noble et plus belle que la sainte ferveur d'un véritable zèle. Aussi, ne vois-je rien de plus odieux que le dehors plâtré d'un zèle spécieux. Votre homme, à dire vrai, n'est pas de ce modèle. Et c'est par un faux éclat que je vous en crois ébloui. Monsieur, mon cher beau-frère, avez-vous tout dit? Oui. Je suis votre valet. De grâce. Un mot, mon frère. Laissons là ce discours. Vous savez que Valère pourrait être votre gendre ainsi de vous. Oui. Et vous avez pris jour pour un lien si doux. Il est vrai. Pourquoi en différer la fête? Je ne sais. Auriez-vous une autre pensée en tête? Peut-être. Voulez-vous manquer à votre foi? Je ne dis pas cela! Nul obstacle, je crois, ne peut vous empêcher d'accomplir vos promesses. C'est le. Mais, pour dire un mot, petit temps de dessin, Valère sur ce point me fait vous visiter. Le ciel en soit loué! Mais que lui reporter? Tout ce qu'il vous plaira. Mais il est nécessaire de savoir vos dessins, que sont-ils donc? De faire ce que le ciel voudra! Oh, mais parlons tout de bon. Valère à votre foi. L'attendrez-vous ou non? Adieu! Par son amour, je crains une disgrâce. Et je dois l'avertir de tout ce qui se passe. Marianne! Mon père? Approchez, je vous écoute, vous parlez en secret. Que cherchez-vous? Je vois si quelqu'un n'est pas là qui pourrait nous entendre, car ce petit endroit est propre pour surprendre. Or si, nous voilà bien. J'ai Marianne, en vous,
reconnu de tout temps l'esprit assez doux. Et de tout temps aussi, vous m'avez été cher. Je suis fort redevable à cet amour de père. C'est fort bien dit, ma fille. Et pour le mériter, vous devez n'avoir soin que de me contenter. C'est où je mets ma gloire la plus haute. Fort bien. Que dites-vous de Tartuffe, notre hôte? Qui, moi? Oui, vous. Voyez bien quand vous répondrez. J'en dirai, moi, tout ce que vous voudrez. C'est parler sagement. Dites-moi donc, ma fille, quand toute cette personne a omis le bruit, qui touche votre cœur et qui vous serait doux, de le voir par mon choix, devenir votre époux. Et... Monsieur, je méprise. Qui voulez-vous, mon père, que je dise? Tartuffe. Mais il n'en est rien, mon père, je vous l'assure. Pourquoi voulant me faire dire une telle imposture? Mais je veux que cela soit une vérité. Et c'est assez pour vous que je l'ai arrêté. Quoi? Vous voulez mon père? Oui, je prétends, ma fille, unir par votre hymen Tartuffe à ma famille. Et comme si on veut, je... De ce mariage, on m'a dit la nouvelle et j'ai traité cela de la pure bagatelle. Quoi donc? La chose était incroyable! À tel point que vous-même, monsieur, je ne vous crois pas. Je sais bien le moyen de vous le faire croire. Oui, oui, vous nous contez une plaisanterie sorte. Ne croyez pas, monsieur, votre père, il raille. Je vous dis... Vous avez beau faire, on ne vous croit point. À la fin, mon courroux! C'est bon, on vous croit donc, et c'est tant pis pour vous. Ce petit monsieur qui a l'air d'homme sage et cette large barbe au milieu du suisseur, vous seriez assez fort pour vouloir. Écoutez, vous avez pris de séance certaines privautés qui ne me plaisent point. Je vous le dis, mamie! Parlons sans nous fâcher, monsieur, je vous supplie. Vous moquez-vous des gens d'avoir fait ce complot? Votre fille n'est point l'affaire d'un bigot. À quel sujet, avec tout votre bien, sois-je un gendre gueux? Taisez-vous! Sachez que s'il n'a rien, c'est par là qu'il faut qu'on le révère. Sa misère est sans doute une honnête misère. Faites-vous possesseur sans quelque peu d'ennui d'une fille comme elle, d'un homme comme lui, qui donne à sa fille un homme qu'elle est, responsable au ciel des fautes qu'il fait. Songez un peu à quel périple votre destin vous livre. Je vous dis qu'il nous faut apprendre de la vivre. Je sais ce qu'il vous faut et je suis votre père. J'avais donné pour vous ma parole à valeur. Mais outre qu'on dit qu'à jouer, il est enclin. Je le soupçonne encore d'être un peu libertin. Enfin, avec le ciel, l'autre est le mieux du monde. Et c'est une richesse à nulle autre seconde. Cet hymen de tout bien comblera vos désirs. Il sera tout confit en douceur et plaisir. Cessez de m'interrompre et songez à vous taire, sans mettre votre nez où vous n'avez que faire. Je n'en parle, monsieur, que pour votre intérêt. C'est prendre trop de grâce. Taisez-vous, s'il vous plaît. Je n'en parle, monsieur, que pour votre intérêt. Il n'en est rien. Et si on veut vous aimer? Je ne veux pas qu'on m'aime. Et si je veux vous aimer malgré vous-même? Non. Ma bile s'échauffe, en tout cas avec toutes ses fadaises. Et tout résolument, je veux que tu te taises. Soit, mais n'en disant mot, je n'en pense pas moi. Pense si tu le veux, mais applique tes soins à ne m'en point parler. Ou... Suffit. Comme ça, j'ai pesé vraiment toute chose. Je ne dois pouvoir parler. Si j'étais en sa place, un homme assurément ne m'épouserait pas de force. Ma fille, il faut payer d'obéissance. Et croire, et pour mon choix, payer de vous. Et pour mon choix, entière déférence. Montrer entière déférence. Je me moquerai bien fort de prendre un tel époux. Vous avez là, ma fille, une peste avec vous. Ces discours insolents m'ont mis l'esprit un peu. Je vais prendre l'air pour me rasseoir un peu. Avez-vous donc perdu, dites-moi la parole? Et faut-il qu'en ceci je fasse votre rôle? Souffrir qu'on vous propose un projet insensé sans que du moindre mot vous l'ayez repoussé? Contre un père absolu, que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut pour parer une telle menace. Quoi? Lui dire qu'un cœur n'aime point par autrui, que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui, et que si son Tartuffe est pour lui si charmant, il le peut épouser sans nul empêchement. Un père, je l'avoue, ça me tombe en pire, que je n'ai jamais eu la force de rien dire. Mais raisonnons, Valère a fait pour vous des pas. L'aimez-vous, je vous plaît, ou ne l'aimez-vous pas? Ah, pas voir mon amour, ton injustice est grande, Dorine. Ne dois-tu faire cette demande? Ne
pas mon cœur et n'hésitez pas pour lui, jusqu'où va mon ardeur? Que sais-je si le cœur a parlé par la bouche et si c'est tout de bon que cet amant vous touche? Tu me fais un grand tort, Dorine, d'en douter, mais pressentiment, tu es trop éclaté. Enfin! Oui. Aimez donc! Oui, une ardeur extrême! Et selon l'apparence, il vous aime de même? Je le crois. De cet autrui, quelle est donc votre attente? De me donner la mort, sinon me violente! Fort bien! C'est un recours où je ne songeais pas. Le remède sans doute est merveilleux. Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'embarras. J'enrage lorsque j'entends tenir ces sortes de langage! De quelle humeur, Dorine, tu te rends? Tu ne compatis point à déplaisir des gens. Je ne compatis point à qui des désormais dans l'occasion molle comme vous faites. Mais que veux-tu si j'ai de la timidité? Mais l'amour dans un cœur veut de la fermeté! Vous ne me gardez-je pas pour les feux de Valère? Et n'est-ce pas à lui de m'obtenir d'un père? Mais quoi? Si votre père est un bourru fiefé qui sait de son tartuffe entièrement coiffé en manque à l'union qu'il avait arrêtée, la faute à votre amour doit-elle être imputée? Me faire un nom refus et d'éclatant mépris. Ferais-je dans mon choix voir un cœur trop épris? Sortirais-je pour lui quelques éclats dont il brille, de la pudeur du sexe et du devoir de fille? Et veux-tu que mes feux par le monde étalent? Non, non! Je ne veux rien. Je vois que vous voulez être un monsieur Tartuffe. Et j'aurai, quand j'y pense, tort de vous détourner d'une telle alliance. Monsieur Tartuffe, n'est-ce rien qu'on te propose? Certes, monsieur Tartuffe, à bien prendre la chose, n'est pas un homme, non, qui se mouche du pied. Et ce n'est pas peu d'heure que d'être sur la moitié. Tout le monde déjà de gloire le couronne. Il est noble chez lui, bien fait de sa personne. Il a l'oreille rouge et le teint bien fleuri. Vous vivrez trop contente avec un tel mari. Mon Dieu, à la cesse, je te prie un semblable discours. Et contre cette humaine, ouvre-moi du secours. En effet, je me rends et je suis prête à tout faire. Non, il faut qu'une fille obéisse à son père. Voulait-il lui donner un singe pour époux? Votre sort est fort beau, de quoi vous plaignez-vous? Ah, tu me fais mourir. De tes conseils, plutôt songe à me secourir. Je suis votre servante. De grâce, Dorine. Non, il faut pour vous punir que cette affaire passe. Ma pauvre fille, tu sais que toi, toujours, je me suis confiée. Fais-moi. Non. Vous serez ma foi tartuffiée. Eh bien, puisque mon sort ne saurait t'émouvoir, laisse-moi désormais tout à mon désespoir. Hé, là, là, revenez. Je quitte mon courroux, mais il faut nonobstant tout avoir pitié de vous. Vois-tu, tu m'exposes à cette cruelle martyre. Je te le dis, Dorine, il faudra que j'expire. Ne me tourmentez point. On peut à droite m'en empêcher. Mais voici Valère, votre ami. On vient de débiter, madame, une nouvelle que je ne savais pas et qui s'en doutait belle. Quoi? Que vous épousez Tartuffe. Il est certain que mon père s'est mis en tête ce dessin. Votre père, madame? A changé de visée. La chose vient par lui de m'être proposée. Quoi? Sérieusement? Oui, sérieusement. Mais quel est le dessin? Votre âme s'arrête, madame. Je ne sais. La réponse est honnête? Non. Vous ne savez? Non. Non? Que me conseillez-vous? Je vous conseille, moi, de prendre cet époux. Vous me conseillez? Oui. Tout de bon? Sans doute. Le choix est plus glorieux, donc bien qu'on l'écoute. Eh bien, c'est un conseil, monsieur, que je reçois. Vous n'aurez pas grande peine à le suivre, je crois. Ah, mais pas plus qu'à le donner, on a souffert votre âme. Moi, je vous l'ai donné pour vous plaire, madame. Et moi, je le suivrai pour vous faire plaisir. Voyons ce qui pourra de ceci réussir. C'est donc ainsi qu'on aime. Et c'est de tromperie quand vous... Ne parlons point de cela, je vous prie. Ah! Vous vous saisissez d'un prétexte frivole pour vous autoriser à manquer de parole, sans doute. Et votre cœur n'a jamais eu pour moi de véritable ardeur. Hélas, permis à vous de penser cela. Oui, oui, permis à moi. Mais mon âme offensée vous préviendra peut-être en un pareil dessein. Et je sais où porter et mes vœux et ma main. Et quoi? Vous voudriez qu'à jamais dans mon âme je gardasse pour vous les ardeurs de ma flamme? Au contraire. C'est ce que je souhaite. Je voudrais déjà que la chose fût faite. Vous le voudriez? Oui. C'est assez m'insulter, madame. Et de ce pas, je vais vous contenter. Fort bien. Souvenez-vous au moins que c'est vous-même, madame, qui contraignez mon cœur à cet effort extrême. Oui. Quoi? Ne m'appelez-vous pas? Moi, René. Je poursuis donc mes pas. Adieu, madame. Adieu, monsieur. Voilà, seigneur Valère. Que veux-tu, Dorine? Venez ici. Non, non, le dépit me domine. Arrêtez. Ne me détourne pas de ce qu'elle a voulu. Il souffre à me voir. Ma présence le chasse. Et ça me rend déjà d'une arpoir. Allez, autre, courez-vous. Oh, lâche-moi, Dorine, enfin, tu veux me retenir? Ah, encore, Dion, cessez ce badinage, je fais si je le veux. Quel est ton dessein? Qu'est-ce que tu veux faire? Vous bien mettre ensemble, vous êtes fous, tous deux. Ça, la main, l'un, l'autre. Allons, vous aimez plus que vous le pensez. Songeons plutôt à ce fâcheux mariage paré.
Sortez et employez vos amis pour vous faire parvenir ce qu'on vous a promis. Nous allons réveiller les efforts du frère et dans notre partie jeter la belle-mère. Adieu. Quelques efforts extrêmes que nous préparions tous. Ma plus grande espérance, à vrai dire, est en vous. Ne réponds point des volontés d'un père. Je ne serai à nul autre cavalière. Vous me comblez d'aise. Et quoi que vous puissiez oser. Ah, jamais les amants ne sont l'âge de jaser. Sortez, vous dis-je. Enfin. Quel caquet est le vôtre? Que la poudre sur leur achève mes desseins. Qu'on me traite partout du plus grand des facas. S'il est aucun respect des pouvoirs qui m'arrête, si je ne fais pas quelques coups de ma tête. Vous ne modérez un tel emportement. Votre père n'en a fait qu'en parler simplement. Il faut que de ce fâche j'arrête les complots et qu'à l'oreille un peu je lui dise deux mots. Ah, Zouzou, envers lui comme envers votre père, laissez agir l'histoire de votre belle-mère. Elle a sur l'esprit de Tartuffe quelque peu de crédit. Il se rend complaisant à tout ce qu'elle dit et pourrait bien avoir douceur de cœur pour elle. Fût à Dieu qu'il fût vrai, la chose serait belle. Mais son valet m'a dit qu'il s'en allait descendre. Sortez donc et laissez-moi les attendre. Je puis être présent à tout cet entretien. Point, il faut qu'il soit seul. Je ne lui dirai rien. Vous moquez-vous des gens, on connaît vos transports d'ordinaire et c'est bien le moyen de gâcher nos affaires. Je veux voir, sans me mettre en courroux. Point, il faut qu'il soit seul. Retirez-vous. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers, des aumônes que j'ai partagé les deniers. Que d'affection de forfanterie. Que voulez-vous? Vous dire... Ah! Mon Dieu, je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées et cela fait venir en moi de pareilles pensées. Certes, je ne sais pas quelle chaleur remonte, mais admettez-moi, je ne suis pas souffrante. Et je vous verrai nu du haut jusqu'en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. Mettez dans vos discours un peu de modestie ou je vais sur le champ vous quitter la partie. Non, c'est moi qui vous laisse le repos. Et je n'ai seulement qu'à vous dire deux mots. Madame va venir dans cette salle basse et d'un mot d'entretien, je demande à la grâce. Hélas, très volontiers. Comme il se redoucit. Ma foi, j'en suis toujours pour ce que j'en ai dit. Il viendra très bientôt. Je l'entends, ce me semble. Oui, c'est elle en personne et je vous laisse ensemble. Que le ciel à jamais, par toute sa bonté, et de l'âme et du corps, vous donne la santé, et bénisse vos jours autant que le désir le plus humble de ceux que son amour inspire. Je suis fort obligée à ce souhait, mais prenez une chaise afin d'être un peu. Comment, de votre mal, vous sentez-vous remise? Fort bien, et cette fille va bientôt quitter. Mes prières n'ont pas le mérite qu'il vaut pour avoir attiré cette grâce au drôle, mais je n'ai fait nulle des votre instance qui n'ait eu pour objet votre convalescence. J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire. Et si bien est ici, qu'aucun ne vous éclaire. J'en suis ravi de même, et sans doute, madame, il est doux de me voir seul à seul avec vous. Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien, où tout votre cœur s'ouvre et me vous cache. Et je ne veux aussi pour grâce singulière que montrer à vos yeux mon âme tout entière. Je le prends bien aussi, et crois que nos amis vous donnent ce souci. Sans doute, madame, et ma faire de vous me serrez trop. C'est par excès de zèle. D'où faire autre mal, je n'eus jamais dessein, et j'aurais bien plutôt. Qui fait là votre main? Je tâte votre avis. Ah, des grâces laissées, j'y fais la tenue. Mon Dieu, jamais en toute chose on a vu si bien faire. Il est vrai, mais parlons un peu de notre affaire. On tient que mon mari veut dégager sa foi et vous donner sa fille. Est-il vrai? Dites-moi. Il m'en a dit deux mots. Mais madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire. Et je vois autre part les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes souhaits. C'est que vous n'aimez rien des choses à la fois. Mon sang n'enferme pas un cœur qui soit de pierre. Et je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature. En vous est mon espoir, mon bien, ma quiétude. De vous dépend ma peine ou ma béatitude. Et je serai ainsi, par votre seul arrêt, heureux, si vous voulez. Malheureux, s'il vous plaît. La déclaration est tout à fait galante, mais à l'œil vrai dire, un peu bien surprenant. Un dévot comme vous, et que partout on aime. Ah, pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Et lorsqu'on vient avoir vos célestes appâts, un cœur se laisse prendre. Et ne raisonnez pas. Si vous pensez qu'un tel discours de moi paraît étrange, madame, après tout, je ne suis pas un ange. Et de vos regards divins, ineffable douceur, forcez à la résistance ou s'obstiner mon cœur. Et s'il faut que vos bontés veuillent me consoler, jusqu'à mon néant d'aile sera avalé, j'aurai toujours pour vous, ô suave merveille, une dévotion à nulle autre pareille.
Votre honneur avec moi ne court point de hasard, et vous n'avez nulle disgrâce à craindre de ma part. N'appréhendez-vous point que je ne sois d'humeur à dire à mon mari cette galanterie? Je sais que vous avez trop de bénignité, et que vous pardonnerez ma témérité. Je ne retirerai point la ferme, mais je veux en revanche une chose de vous, c'est de presser tout franc et sans une chicane l'union de Valère avec la reine. Et... Ah ah! Non, madame, non, ceci doit se répandre. J'étais dans cet endroit d'où j'ai pu tout entendre. Le fourbe trop longtemps a gouverné mon père et desservi les feux avec ceux de Valère. Non, dame, il suffit qu'il se rende plus sage et tâche à mériter la grâce que je m'engage. Une femme se rit de ce disparaître et jamais d'un mari n'en trouble les oreilles. Vous avez vos raisons pour en user ainsi et pour faire autrement, j'ai les miennes aussi. Il faut que du perfide il soit désabusé et le ciel pour cela m'offre un moyen aisé. Dame, non, vos discours en vain prétendent de m'obliger à quitter le plaisir de me pouvoir venger. Sans aller plus avant, je vais vider d'affaires. Et voici justement de quoi me satisfaire. Nous allons régaler mon père, votre abord, d'un incident tout frais qui vous surprendra fort. Oui, je l'ai surpris là, qui faisait à madame l'injurieux aveu d'une coupable femme. Ce que je viens d'entendre, au ciel, est-il croyable? Oui, mon frère, je suis un méchant, un coupable. Chaque instant de ma vie est chargé de souillures. Elle n'est qu'un amas de crimes et d'ordures. Croyez ce qu'on vous dit. Armez votre courroux et comme un criminel, chassez-moi de chez vous. Ah, traître! Oses-tu bien par cette fausseté vouloir de sa vertu éternir la pureté? Quoi? Tais-toi, peste maudite! Ah, laissez-le parler! Vous l'accusez à tort et vous ferez bien mieux de croire à son rapport. Pourquoi sur un tel fait être si favorable? Savez-vous seulement de quoi je suis capable? Tout le monde me prend pour un homme de bien, mais la vérité pure est que je ne vaux rien. Oui, mon cher fils, parlez. Traitez-moi de perfide, d'infâme, de voleur, de perdu, d'homicide. Et j'en veux à genoux souffrir l'ignominie comme une honte due au crime de ma vie. Mon frère, c'en est trop. Ton cœur ne se rend point. Traître! Quoi? Ces discours vous séduiront au point? C'est toi, Pandard! Mon frère, levez-vous de grâce! Infâme! Si tu dis un seul mot, je te romperai les bras! Mon frère, au nom de Dieu, ne vous emportez pas! Coquin! Vois sa bonté! Donc? Paix, dis-je! Je sais bien quel motif à l'attaquer t'oblige! Vous le haïssez tous! Et je vois aujourd'hui, femme, enfant et balai! Déchaîné contre lui. Plus on fait d'efforts afin de mieux le bannir, plus j'en veux employer à le mieux retenir. Et je veux me hâter de lui donner la fille pour confondre l'orgueil de toute ma famille. À recevoir sa main, on pense l'obliger? Oui, et dès ce soir, pour faire enrager tous. Ah, je vous brave tous, et je vous ferai connaître qu'il faut qu'on m'obéisse et que je suis le maître. Allons. Qu'on se rétracte et qu'à l'instant, fripon, on se jette à ses pieds pour lui demander pardon. Qui? Moi? De ce coquin qui par ses impostures? Alors, tu résistes, gueux? Il lui dit des injures? Un bâton! Un bâton! Ne me retenez pas! Sûr que de ma maison, on sorte de ses pas et que d'y revenir, on n'est plus jamais l'audace. Oui, je sortirai, mais... Je te prie, Pandard, de ma succession et te donne de plus ma malédiction! Pensez de la sorte une sainte personne. Au ciel, pardonne-lui la douleur qui me donne. Si vous pouviez savoir avec quel déplaisir je vois envers mon frère, il tâche à me noircir. Hélas, l'horreur que j'en conçois. J'ai le cœur si serré que je ne puis parler et crois que j'en mourrai. Remettez-vous, mon frère, et ne vous fâchez pas. Rompons. Rompons le cours de ces fâcheux débats. Je regarde, c'est en quel grand trouble j'apporte et crois qu'il est besoin, mon frère, que j'en sorte. Non! Je demeurerai. Il y va de ma vie. Il faudra donc que je me mortifie. Je fuirai votre épouse et vous ne me verrez pas. Non. En dépit de tous, vous la fréquenterez. Faire enrager le monde est ma plus grande joie. Et je veux qu'à toute heure, avec elle, on vous voit. Ce n'est pas tout encore. Je ne veux pas avoir d'autre réalité que vous. Je vais, de ce pas, en fort bonne manière, vous faire de mon bien donation entière. Un bon et froid ami que pour
joindre, je prends. Et bien plus cher. Que fils, que femme et que parent. N'accepterez-vous pas ce que je vous propose? La volonté du ciel soit faite en toutes choses. Oh, le pauvre homme! Allons vite en laisser un écrit. Et que puisse l'envie en crever des épis. Mais je vous ai trouvé, monsieur, fort à propos pour vous dire ma nette pensée en vous. Supposons que Damis n'en ait pas bien usé et que ce soit à tort qu'on vous ait accusé. N'est-il pas chrétien de pardonner l'offense et d'effacer de son cœur tout désir de vengeance? Et devez-vous souffrir votre démêlé plus du logis d'un père, un fils soit exilé? Sacrifiez à Dieu de votre père et remettez le fils de grâce avec le père. Et hélas, je le voudrais quant à moi de bon cœur. Je ne garde pour lui, monsieur, aucune aigreur. Mais l'intérêt du ciel n'y saurait consentir, et si l'entre-océan, c'est à moi d'en sortir. L'intérêt du ciel? Pourquoi vous chargez-vous? Pour punir le coupable, a-t-il besoin de nous? Et ne suivez jamais au jugement humain quand vous suivez du ciel les ordres souverains. Non, non, faisons toujours ce que les saints prescrivent, et d'aucun soin d'entre nous nous brouillerons l'esprit. Mais je vous ai déjà dit que mon cœur lui pardonne, et sait faire ce que le ciel ordonne. Mais après le scandale et l'affront d'aujourd'hui, le ciel n'ordonne pas que je vive avec lui. Et vous ordonne-t-il, monsieur, d'ouvrir l'oreille à ce qu'un pur caprice impère conseil, et d'accepter le don qui vous est fait dans le bien, ou le droit vous en oblige en prétendant rien? Tous les biens de ce monde ont pour moi peu d'appât. De leur éclat trompeur, je ne m'éblouis pas. Et si je me résous à recevoir du père cette donation qu'il a voulu me faire, ce n'est, à dire vrai, que parce que je crains que tout ce bien ne tombe en de méchantes mains. Eh, monsieur, n'ayez point ces délicates craintes. D'un juste héritier peuvent causer les plaintes. Monsieur, certains devoirs pieux m'attendent là-bas. Et vous m'excuserez de vous quitter si tôt. Mais... Ah, de grâce. Avec nous, employez-vous pour elle. Monsieur, son âme souffre une douleur mortelle. Et l'accord que son père a conclu pour ce soir l'a fait à tout moment entrer en désespoir. Il va venir. Joignons nos efforts, je vous prie, et tâchons d'ébranler de force ou d'industrie ce malheureux dessein qui nous a tous troublés. Ah, je me réjouis de vous rassembler. Je pense en ce contrat de quoi vous faire rire. Et vous savez déjà ce que c'est l'appétit. Mon père, au nom du ciel qui connaît ma douleur, et partout, ce qui veut me voir, votre père, ne me réduisez point à cette dure loi jusqu'à me plaindre au ciel de ce que je vous dois. C'est par un doué espoir que j'avais pu former, vous me défendez d'être à ce que j'ose aimer. Au moins par volonté qu'à vos genoux j'implore, sauvez-moi du tourment d'être à ce que j'abhorre, et ne me portez point avec le désespoir en observant sur moi de tout votre pouvoir. Allons, ferme mon cœur, point de faiblesse humaine. Votre tendresse est pour lui de me faire point de peine. Faites-les éclater, donnez-lui votre bien. Et si ce n'est assez, joignez-y le mien, je consens de mon cœur et je vous l'abandonne. Mais du moins, n'allez pas jusqu'à ma personne. Et souffrez d'un couvent dans les austérités, mais c'est les tristes jours que le ciel m'a comptés. Debout. Plus votre cœur répugne à l'accepter, plus ce sera pour vous matière à mériter. Mortifiez vos sens avec ce mariage et ne me rompez pas la tête davantage. Mais quoi ? Taisez-vous, vous parlez à votre écho. Je vous défends tout net d'oser dire un seul mot. J'espère que le conseil vous pourrez vous répondre. Mon frère, vos discours sont les meilleurs du monde. Ils sont bien raisonnés et j'en fais un grand cas. Et vous trouverez bon que je n'en use pas. Voir ce que je vois, je ne sais plus que dire. Et votre aveuglement fait que je vous admire. Je suis votre valet. Et crois les apparences, je sais pour vos fricons de pif vos complaisances. Vous avez eu peur de désavouer du trait qu'à ce pauvre homme, il a voulu jouer. Est-ce que simple aveu d'un amoureux transport faut-il que notre honneur se gendarme si fort? Je crois que d'un refus la discrète froideur n'en est pas moins puissante à rebuter un cœur. Enfin, je sais la faire, et ne prends pas le change. J'admire encore un coup cette faiblesse étrange. Mais que me répondrait votre incrédulité si je vous faisais voir que vous dites la vérité? Voir? Oui, si
disposons ici, que d'un lieu qu'on peut prendre, on nous fait clairement tout voir et tout entendre. Que direz-vous alors, votre homme de bien? Je dirais que... Je ne dirai rien, car cela ne se peut. Eh bien, il faut que par plaisir, et sans aller plus loin, de tout ce qu'on vous dit, je vous fasse témoin. Soit, je vous prends au mot. On verra votre adresse pour faire tenir votre promesse. Retirez-vous. Son esprit est rusé et peut-être à surprendre, il sera malaisé. Non, on est aisément dupé par ce qu'on aime. Et le mot propre engage à se tromper soi-même. Faites-le moi descendre, et vous retirez-vous. Accouchons cette table. Et vous, mettez dessous. Comment ? Vous bien cacher est un point nécessaire. Pourquoi sous cette table ? Ah, mon Dieu, laissez faire. Quoi que je puisse dire, il doit m'être permis, car c'est pour vous convaincre ainsi que j'ai promis. C'est à vous d'arrêter son ardeur insensée quand vous croirez la faire assez à vos pensées. Ce sont vos intérêts, vous en serez le maître. Et l'on vient, et gardez de paraître. On m'a dit qu'en ce lieu, vous vouliez me parler. Oui, l'on a des secrets à vous révéler. Une affaire pareille à celle de tantôt n'est pas assurément ici ce qu'il nous faut. Jamais il ne s'est vu de surprise de même. Damus m'a fait pour lui une frayeur extrême, et vous avez bien vu que j'ai fait mes efforts pour rompre son dessein et calmer ses transports. Mon trouble, il est bien vrai, m'a si fort possédé que de le démentir, je n'ai pas eu l'idée. Mais par la grâce au ciel, tout a bien mis été, et les choses en sont dans plus de sûreté. L'estime où vous vous tient a dissipé l'orage, et mon mari de vous ne peut prendre d'ombrage. Pour mieux braver l'éclat des mauvais jugements, il veut que nous soyons ensemble à tout moment. Et c'est par où je puis, sans peur d'être blâmée, me trouver ici seule, avec vous, enfermée. Et ce qui m'autorise à vous ouvrir un cœur, un peu trop prompt peut-être, à souffrir votre ardeur. Ce langage à comprendre est assez difficile, et vous parliez tantôt d'un autre style. Ah, si d'un tel refus vous êtes en courroux, que le cœur d'une femme est mal connu de vous, et qu'il sait que les choses qui me font entendre, lorsque si faiblement on le voit se défendre, aurais-je pris la chose autrement qu'on m'a vu faire, si l'offre de ce cœur n'eût eu de quoi me plaire? Et lorsque j'ai voulu moi-même vous refuser, vous forcer à refuser l'hymen qu'on venait d'annoncer, qu'est-ce que cette instance a dû vous faire entendre? Que l'intérêt qu'en vous on s'avise de prendre, et l'intérêt qu'on aurait, que ce nœud qu'on résout, vint partager un cœur du moins que l'on veut tout? C'est sans doute une douceur extrême que d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime. Mais ce cœur vous demande d'ici la liberté d'oser douter un peu de sa félicité. Et s'il faut librement m'expliquer avec vous, je ne me fierai point à des propos si doux qu'un peu de vos faveurs, après quoi je soupire, ne viennent m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire. Quoi ? Vous voulez aller avec cette vitesse et d'un cœur tout d'abord épuiser la tendresse ? Oui, je ne croirai rien que vous n'ayez ma lame sue par des réalités convaincre ma flamme. Mon Dieu, que votre amour en vrai tyran agit, et comme un trouble étrange, il me jette l'esprit. Mais si d'un œil bénin vous voyez mes hommages, pourquoi m'en refuser d'assurer témoignage ? Bien, que dites-vous ? Mais comment consentir à ce que vous voulez, sans offenser le ciel dont toujours vous parlez ? Si ce n'est que le ciel qu'à mes voeux on oppose, lever un tel obstacle est à moi peu de choses. Et cela ne doit pas retenir votre cœur. Mais des arrêts du ciel, on nous fait tant de peur. Le ciel défend de vrai certains contentements, mais on trouve avec lui des accommodements. De ces secrets, madame, on saura vous instruire. Vous n'avez seulement qu'à vous laisser conduire. Vous toussez fort, madame. Oui, je suis au supplice. Vous plaît-il un morceau de ce jus de réglisse? Oh, c'est un jus obstiné sans doute, et vous voyez bien ici que tous les jus du monde ici ne feront rien. Cela certes est fâcheux. Oui, plus qu'on peut dire. Enfin, votre scrupule est facile à détruire. Eh bien, je vois qu'il faut se résoudre à céder, qu'il faut que je consente à vous tout accorder, mais puisque l'on veut pas croire à tout ce qu'on peut dire,
des témoins. Il faut bien s'y résoudre et contenter les gens. Si ce consentement porte en soi quelque offense, tant pis pour qui me force à cette violence. La faute, assurément, n'en doit pas être à moi. Oui, madame, on s'en charge. Et la chose de soi? Ouvrez un peu la porte, je vous prie, et voyez si mon mari n'y prend cette galerie. Qu'est-il besoin pour lui du soin que vous prenez? C'est un homme, entre nous, à mener par le nez. De tous nos entretiens, il est fait pour gloire, et je l'ai mis au point de tout voir sans rien croire. N'importe, je vous prie, sortez un moment. Et là-dehors, voyez exactement. Voilà, je vous l'avoue, un abominable homme. Et je n'en peux revenir. Et tout ceci, ma somme. Quoi, vous sortez si tôt? Rentrez sous le tapis, n'est pas important. Non, rien de plus méchant est sorti de l'enfer. Mon Dieu, vous ne devez pas en croire trop de méchants. Personne ne s'y trouve. Et mon âme ravie. Toudou! Vous suivez trop votre amoureuse envie. Comment attention s'abandonne à votre âme? Vous épousiez ma fille et convoitiez ma femme. L'on m'a mise au point de vous traiter ainsi. C'est contre mon humeur que j'ai fait tout ceci. Quoi? Vous croyez? Point de bruit, je vous prie. Dénichons de ce bien et sans cérémonie. C'est à vous d'en sortir, vous qui parlez en maître. La maison m'appartient et je le ferai connaître. Qu'est-ce que cela signifie? Ma foi, je suis confus et n'ai pas lieu de rire. Quoi? Cette donation m'embarrasse l'esprit. La donation? Oui, c'est une affaire faite. J'ai quelque chose encore qui m'inquiète. Et quoi? Vous saurez tout au plus tôt. Mais allons voir si quelque pressade n'est pas encore là-haut. Là, ce que sais-je? Il me semble que l'on doit commencer par consulter ensemble des choses que l'on peut faire dans cet événement. Cette cassette-là me trouble entièrement. Puisque tout le reste, elle me désespère. Cette cassette est donc un important mystère. C'est un dépôt. Kergas, cet ami que je plains, lui-même, en grand secret, m'a mise entre les mains. Pour cela, dans sa fuite, il m'a voulu te lire. Et ce sont des papiers à ceux qu'il m'a pu dire, où sa vie, et ses biens, se trouvent attachés. Pourquoi les avoir donc en d'autres mains lâchés? Ce fut par un cas de conscience. J'allais droit à mon très ferme confidence. Et son raisonnement me vient persuader de lui donner plutôt la cassette à garder. Afin que pour nier, en quelque enquête, juste d'un pauvre fuyant, la faveur toute prête. C'est moi qui l'ai reçu gueusant et n'ayant rien. C'en est fait, je renonce à tous les gens de bien. J'en aurai désormais une horreur effroyable. Et je vais devenir, pour eux, pire qu'un diable. Quoi? Parce qu'un fripon vous dupe avec audace sous le pompeux éclat d'une serre grimace, et vous voulez que partout on soit fait comme lui et qu'aucun vrai dévot ne se trouve aujourd'hui? Laissez aux libertins ces seules conséquences. Démêlez la vertu. Ne hasardez jamais votre estime trop tôt et soyez pour cela dans le milieu qu'il faut. Ce sont des nouveautés dont mes yeux sont témoins. Vous voyez donc le prix dont se payent mes soins. Le pauvre homme. Mon fils, je ne puis du tout croire qu'il ait voulu commettre une action si noire. Comment? Les gens de bien sont enviés toujours. Que voulez-vous donc dire avec votre discours, ma mère? Que chez vous, on vit d'étranges sortes et qu'on ne sait que trop la haine qu'on lui porte. Qu'a cette haine à faire avec ce qu'on vous dit? On vous aura forgé sans saut contre de lui. Je vous ai dit déjà que j'ai vu tout moi-même. Des esprits médisants, la malice est extrême. J'enrage! Aux faux soupçons, la nature est sujette, et c'est souvent pas mal que le bien s'interprète. Je ne sais pas ce que je vous dirai si vous venez dire ma mère quand je suis en colère! Juste le retour des choses qui
ici-bas. Vous n'y vouliez point croire et on ne vous croit pas. Nous perdons des moments en bagatelles pures qu'il faudrait employer à prendre des milieux. Et je vous le dis encore, armé de ce qu'il a, vous ne deviez jamais le pousser jusque-là. Il est vrai, mais qu'y faire ? À l'orgueil de ce traître, de mes ressentiments, je n'ai pas été maître. Si j'avais su qu'en main il a de telles armes, je n'aurais pas donné matière à tant d'alarmes. Aimer. Allez-vous le savoir ? Que veut cet homme ? Allez-vous le savoir ? Mais je ne suis pas en état que l'on me vienne voir. Bonjour, ma chère sœur. Faites, je vous supplie que je parle à monsieur. Il est en compagnie, et je doute qu'il puisse à présent dans quelqu'un. Je ne suis pas pour être en ces lieux importants. Je demande à la porte de monsieur Tartuffe pour son bloc. C'est un homme qui vient avec douce manière. De la part de monsieur Tartuffe pour affaire, vous seriez-il bien maître ? Il vous faut voir ce que c'est que cet homme et ce qu'il peut bien valoir. Il vient d'ici peut-être pour nous raccommoder. Quel sentiment aurais-je à vous faire paraître ? Salut, monsieur. Le ciel perde qui veut venir, et vous soit favorable autant que je désire. Ce doux désir s'accorde avec mon jugement, et prévoit déjà quelques commandements. Votre maison m'a toujours été chère. J'étais serviteur de monsieur votre père. Je vous demande pardon de pas connaître votre nom, ni même vous. Je m'appelle Loyal, natif de Normandie, et suis ici à Verges en dépit de l'envie. J'ai depuis 40 ans le bonheur d'en exercer la charge avec beaucoup d'honneur. Et je viens, avec votre licence, vous signifier l'exploit d'une certaine ordonnance. Quoi ? Vous êtes ici ? Monsieur, sans passion ! Ce n'est seulement qu'une sommation, un ordre de vider vous et les vôtres, de mettre vos meubles hors et de faire place à d'autres. Sans délai ni remise et si besoin est... Moi ! Sortir de séance ! Oui, monsieur, s'il vous plaît. Votre maison, comme vous savez du reste, au bon monsieur Tartuffe, appartient à son comtesse. De vos biens, maintenant, il est maître et seigneur. En vertu d'un contrat duquel je suis porteur. Il est en bonne forme et on n'y peut rien dire. Mais que peut-on de pis que d'ordonner aux gens de sortir de chez eux ? On vous donne du temps ! Je viendrai seulement passer la nuit ici avec 10 de mes gens. Sans scandale et sans bruit. Mais demain matin, il vous faut être agile, à vider des séances jusqu'au moindre ustensile. Je vais donner sur l'heure les 100 plus beaux louis qui me demeurent pour qu'on puisse, sur ce mufle asséné, le plus grand coup de poing qui se puisse donner. Avec un si bon dos, ma foi, monsieur Loyal, quelques coups de bâton nous iraient pas mal. C'en est assez. Veuillez donner sitôt ce papier et de grâce nous laisser. Jusqu'au revoir, le ciel vous plaît, c'est dangereux. Fils de confondre à celui qui t'envoie! Ces trahisons vous sont-elles connues? Je suis tout ébobillée, je tombe des nues. Allez faire éclater l'audace de l'ingrat, ce procédé détruit la vertu du contrat! Et je sais de très sa manière. Fait un beau manteau de tout ce qu'on révère. Avec regret, monsieur, je viens vous infliger, mais je m'y vois contraint par le présent danger. Le fourbe qui longtemps a pu vous imposer, depuis une heure au prince a su vous accuser, et remettre en ses mains, par les traits qu'il vous jette, d'un criminel d'état l'importante cassette. Dont ton mépris, dit-il, du devoir d'un sujet, vous avez gardé le coupable secret. J'ignore les détails du crime qu'on vous donne, mais un ordre donné contre votre personne. Il lui-même est chargé pour mieux l'exécuter que celui qui vous vient d'arrêter. Voilà par ses droits où le traître qui prétend de vos biens cherche à s'en rendre maître. L'homme est, je vous l'avoue, un méchant animal. Le moindre amusement vous peut être fatal. J'ai avec moi un carrosse à la porte, avec 1000 louis d'or qu'ici je vous apporte. Vous mettre en sécurité. Je m'offre pour bonne conduite et veux accompagner jusqu'au bout votre fuite. Là, comment puis-je rendre vos complaisances ? Prenez le soin de votre. Allez, nous songerons mon père à faire ce qu'il faut. Tout beau, monsieur, tout beau ! Ne courez pas si vite ! Vous n'irez pas fort loin pour trouver votre gîte !
et de la part du prince, on vous fait prisonnier. Traître! Je me gardais ce trait pour le dernier. Tous vos emportements ne sauraient m'émouvoir, et je ne songe à rien qu'à faire mon devoir. Ne te souviens donc tu pas que ma charitable, ingrat, t'a retiré d'un état misérable? Oui, je sais quel secours j'en ai pu recevoir. Mais l'intérêt du prince est mon premier devoir. Et je sacrifierai à de si puissants nœuds, amis, femmes, parents, et moi-même avec eux. Délivrez-moi, monsieur, de la criaillerie, et daignez accomplir votre ordre, je vous prie. Oui, c'est trop demeuré à la cour. Mais pour cela, veuillez me suivre tout à l'heure, dans la prison qu'on doit vous donner pour demain. Qui? Moi, monsieur? Oui, vous. Pourquoi donc la prison? Ce n'est pas à vous, à qui j'en veux rendre raison. Remettez-vous, monsieur, d'une allure si chère. Nous vivons sous un prince ennemi de la fraude. Un prince dont les yeux se font jour dans les cœurs, et que ne peut tromper tout l'art des imposteurs. Ce monarque, en un mot, a vers vous détester sa lâche ingratitude et sa déshonnêteté. D'un souverain pouvoir, il brise les liens, il vous fait don de tous vos biens, et vous pardonne enfin cette offense secrète où vous a d'un ami fait tomber la retraite. Que le ciel soit loué. Maintenant, je respire. Favorable succès. Qui l'aurait osé dire? Traître. Ah, mon frère, arrêtez et ne descendez point à ces indignités. Allons, par un doux hymen, couronnez en valeur la flamme d'un amour généreux et sincère. Merci.